Salut les abonnés de Afrique Debout. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle forme d'arnaque. Les gens vont vous écrire inbox et ils se font passer pour de hautes personnalités dans vos pays. Et soyez extrêmement prudents et déjouez leur jeu. Une autorité, une star comme Adebayor ne va pas t'écrire par WhatsApp. Tu vois, non? Donc ce monsieur-là, bon, il pensait il a trouvé sa proie facile alors qu'il ne sait pas que moi j'ai un peu d'expérience en ligne. Donc regardez, il dit, il m'a écrit et j'ai répondu ça va. Bon, et puis bon, il continue en disant bonsoir, comment allez-vous et la famille? J'espère certainement que tout le monde va bien. Emmanuel Adebayor, comme vous le savez, je me présente. Monsieur Adebayor, Emmanuel Adebayor, footballeur togolais reconnu par mon pays également. Merci beaucoup d'être en contact avec moi. Donc c'est lui qui m'écrit et puis bon, voilà, il me dit que je suis en contact avec lui et puis il envoie les photos. Si tu regardes sur statut là, c'est la même photo là, c'est ça qu'il a mis ça. Donc pourquoi je crois que c'est mon frère Adebayor qui est en train de me parler alors que bon, je suis pas tombé de la dernière pluie. Voilà, et maintenant il dit je suis un peu occupé. Donc je l'ai appelé quoi, j'ai tenté de l'appeler vidéo. Et puis, le gars n'a pas pris. Et maintenant, il a écrit un message pour me dire, je suis un peu occupé. C'est-à-dire que si je dis, je l'appelle vidéo, c'est pour le démasquer, quoi. Quand quelqu'un vous écrit une bosse et il commence par raconter des bêtises comme ça, appelez-le vidéo. Et puis, vous, de votre côté, vous l'appelez et puis vous allez voir. Il ne va pas prendre. Si c'est un arnaqueur, il ne va pas prendre. Donc, comme il n'a pas pris, il écrit un message pour s'excuser. Il dit, non, je suis occupé. Raison pour laquelle je ne décroche pas appel, tu as compris, il faut m'excuser beaucoup, on va s'écrire. Et maintenant, je l'ai écrit, je dis, mais c'est quelle herbe tu fumes? Et il fait comme s'il n'a pas vu ça, il dit, et il s'agit de quoi déjà votre projet? Je dis, réponds-moi. Et jusque-là, il ne m'a pas répondu. Voilà, donc il faut savoir que des arnaqueurs comme ça, là, ne leur donnez même pas le temps, quoi. Ne leur donnez même pas le temps. Il va tisser des histoires, il va te raconter. Et puis, si tu ne sais pas faire, il va t'arnaquer. Il va te dire, on voit telle somme pour tel projet. Ou bien, il va te demander tel numéro de compte. Tu lui envoies tel numéro personnel. Et ces arnaqueurs-là vont utiliser ça pour autre chose. Donc, soyez extrêmement prudents. Voilà. Comme je vous le dis toujours, ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, le moment n'est pas encore favorable. Attendez. Bon, ceux qui veulent prendre du risque, on ne sait pas si le bull continue ou pas, ils peuvent acheter un peu. Mais pour ceux qui veulent vraiment acheter au bon moment, observez jusqu'à 2023 quand le bear market sera là. Vous achetez vers 24, 25, on revend. Ok, merci à tous. Abonnez-vous à notre chaîne massivement. Partagez cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part là. Si on l'imbosse comme ça, il va penser que c'est de bonnes choses, des sérieuses choses, alors que c'est des arnaques. En partageant la vidéo, les gens sauront qu'il y a des choses comme ça et ça leur permettra d'éviter. Pour s'abonner à notre chaîne, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez sur le bouton là où on a dit abonner, s'abonner, en rouge là. Et quand ça va écrire abonner, vous observez et vous allez voir une cloche. Cliquez sur la cloche où on a dit toutes. Là, en ce moment, chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, YouTube vous envoie la notification pour lire ça d'avance. Merci à tous. Et dans la description de la vidéo et dans les commentaires, le premier commentaire, je mettrai le lien de notre groupe Telegram et du groupe WhatsApp intégré. Et le lien d'un site qui s'appelle Binance, d'un échangeur qui s'appelle Binance. Inscrivez-vous, faites votre KYC et au moment venu d'acheter les cryptos, ce serait facile pour vous d'acheter. Merci à tous.